Réseau social, c'est quoi C'est un outil de communication via une plateforme qui peut être soit un site web à laquelle on accède via un ordinateur et un navigateur ou via une application mobile pour smartphone ou tablette. Cet outil de communication fonctionne en réseau, c'est-à-dire que vous créez votre compte utilisateur qui vous permet donc de d'avoir accès à un profil sur ce réseau social, de le personnaliser avec une image de profil, une description, etc. Et qui vous permet ensuite de vous connecter à d'autres profils d'utilisateurs. Ce réseau social permet ensuite de partager des contenus de différentes natures. Vous pouvez donc partager des contenus... Ne sont pas les vôtres, hein, que vous avez repéré, un article que vous avez lu, que, qui vous semble intéressant, que vous avez envie de partager, une vidéo que vous avez adorée, une photo pareil, que vous avez repérée, que vous voulez partager avec votre communauté avec les gens qui vous suivent donc en réseau, mais vous pouvez aussi sur les réseaux sociaux être vous-même les créateurs de contenu et euh, diffuser euh, vos propres créations de contenu, que ce soit du texte, de l'image, des vidéos, et donc ainsi pouvoir être, euh, voir vos contenus partagés par d'autres utilisateurs. Sur les réseaux sociaux, il y a deux types de profils, vous avez le profil privé, Hein, la plupart du temps, c'est ce qu'on utilise quand on a un profil à soi vraiment privé qu'on ne veut partager qu'avec ses proches. Euh, donc, souvent, vous avez un petit cadenas hein, qui permet de, de l'identifier. Et là, vous choisissez vraiment les gens qui vont vous suivre. Vous pouvez euh, bloquer des utilisateurs, vous pouvez en supprimer. Et vous avez aussi des profils dits publics, c'est-à-dire que tout le monde peut potentiellement avoir accès à vos contenus, à votre profil, le visiter, qu'ils vous suivent ou non, que vous le suivez suiviez ou non. Voilà, donc on retient qu'un réseau social, c'est un outil de communication qui fonctionne en réseau et euh, qui permet euh, à un profil identifié d'être en relation avec d'autres profils d'utilisateurs et de partager des contenus. Alors, un réseau social, ça sert à quoi Il n'y a pas qu'un type d'usage hein, au niveau des réseaux sociaux, il y en a plusieurs, presque autant qu'il existe de réseaux sociaux. Donc, euh, sur un, média, un réseau social dit de masse plutôt généraliste comme Facebook, en fait, on va euh, connecter des personnes entre elles, ça nous permet de retrouver des anciens amis, de connecter un réseau autour de thématiques. Euh, qu'on apprécie plus particulièrement, par exemple les mangas, la protection de l'environnement, la réduction des déchets, dans des groupes dédiés, hein, toujours sur l'exemple de Facebook. Euh, mais ça peut être aussi des médias sociaux de partage de contenu, plutôt comme Instagram, où on va vraiment partager des photos, des images, du contenu photo et vidéo. Et puis ensuite, on va avoir des réseaux sociaux un petit peu sociaux. On pourrait mettre Twitter un petit peu dans cette catégorie avec beaucoup de partage autour de l'actualité, etc. Ensuite, il y a des réseaux sociaux qui sont très spécialisés comme LinkedIn, qui est donc un réseau social hein, puisqu'il a toutes les caractéristiques du réseau social. Mais sa particularité en termes d'usage, c'est vraiment qu'on est sur un objectif professionnel quand on est sur LinkedIn. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre son CV, ses expériences, se connecter en réseau avec des personnes qui travaillent dans le même domaine que nous, ou qui ont des compétences dans les mêmes domaines et voir de se faire recruter. Ensuite, les réseaux sociaux, qu'est-ce que ça peut avoir comme autre objectif Si par exemple, on est une entreprise, on va pas du tout avoir le même usage de ces réseaux sociaux qu'un particulier. Euh, puisque sur ce réseau social, on va pouvoir avoir de la visibilité en tant qu'entreprise. éventuellement on va pouvoir prospecter un petit peu les attentes des clients avec des sondages, etc. Et ensuite on va pouvoir donner donc de la visibilité à son entreprise, à ses produits et potentiellement trouver euh, de nouveaux clients ou les fidéliser. Et donc là euh, ces réseaux sociaux vont pouvoir mettre en place des euh, partenariats avec des influenceurs. On y reviendra quand on parlera des nouveaux métiers du web. Mais aussi euh, éventuellement euh, faire des concours pour essayer de donner un petit peu une image à sa marque. Voilà. Et on va aussi utiliser du coup les autres internautes qui vont parler de nos produits dans leurs photos, dans leurs posts, dans leurs vidéos, etc. Donc les réseaux sociaux, c'est vraiment un ensemble d'usages, un ensemble d'objectifs qui diffèrent en fonction de la personne et du type de profil qu'on y a créé.